Est-ce que vous avez plutôt tendance à être dans le passé? Celui qui a tendance à être dans le passé, c'est celui qui en veut à son père, qui en veut à sa mère, qui en veut à son ex, hein, qui en veut, il en veut aux gens. Hein, il n'a pas nécessairement solutionné. Il en veut à certaines personnes, donc il y a des pardons qui ne sont pas faits. Ou il est nostalgique, ou il en veut, les huissiers courent après lui. Donc la mémoire, pas ta mémoire, mais ton attention au quotidien dans une journée. Exemple, tu as 24 heures par jour, on va dire que tu dors 8 heures et tu restes 16 heures éveillé. Dans tes 16 heures éveillées, est-ce que ton attention est dans le passé ou dans le futur? Donc, suivez-moi bien. Vous avez la ligne de temps. Vous avez d'un côté le futur qui cause stress, angoisse, anxiété. Vous avez la ligne de temps, le passé qui cause un état de lourdeur dépressif. Et vous avez aussi l'instant présent qui, par cause et effet lui aussi, va emmener un état de calme et un état de paix. Alors, ma question est la suivante. Sur la ligne de temps, où est-ce que vous vous situez?